Voilà, nous sommes donc devant la tombe de Claude François. Regardez, cet homme, vous vous souvenez, c'est les Magnoliens partent sans peine. Bon, on va arrêter parce qu'on est quand même sur un emplacement religieux. Donc voyez, Claude François, sa mère, si je ne dis point de bêtises, et donc la tombe de la famille, voilà. Bon, c'est vrai que ça paraît un peu triste comme ça, mais engageons quand même une minute de silence, s'il vous plaît, pour Claude François.